Hello tout le monde, c'est Cyanopana. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur la map Le cauchemar des youtubeurs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur la merveilleuse map à cauchemar. Ouh, une plaque. Votre point de réapparition était défini dans cette salle. Ah, j'avais pas vu ça. Donc oui, donc on se retrouve ici d'ailleurs. Ah non, on avait récupéré, j'avais posé. Donc voilà, ça fait à peine 2 heures que j'ai tourné et j'ai déjà oublié. Donc voilà, on s'était arrêté juste avant la salle de Monsieur Brioche, hein. J'ai très peur, j'ai très très peur de ce que ça peut être. Puisque, comme vous le savez, j'ai la page Minecraft France avec chaque résumé de cauchemar. Et sur chaque résumé, on a le droit à un petit screen. Le screen pour Super Brioche, c'est un mur de boutons. Donc j'ai très très peur, mais on va pas tarder, on va y aller, tout simplement. Un chocolat a contaminé une brioche. Je dois faire quelque chose. C'est ça son cauchemar! C'est de se faire contaminer par un chocolat! Mais tu déconnes, Brioche! Tu te fous de notre gueule? Rends l'argent aux abonnés! Non, blague à part, je vais lire le résumé sur le site. Donc, cette épreuve est une épreuve de chance. Elle est, à mon sens, l'épreuve la plus désagréable de la map. Elle consiste à appuyer sur un bouton parmi une centaine. Pardon? Pardon? Parmi une centaine de boutons, un seul fonctionne et vous devez renouveler l'épreuve à 2 reprises. Quoi? Rage quitte. Ça avait une coup de tattle. Au revoir, les gens! Non. Non, je suis désolée, mais Brioche... Non! Non! Donc, je vais finir quand même par lire le résumé. Donc, vous devez renouveler l'épreuve à 2 reprises. Cependant, si vous êtes peu patient, vous pouvez aller regarder les solutions contenues dans l'archive, mais le niveau est au final très facile avec un peu de patience. J'ai déjà J'ai déjà triché une fois. Je n'ai plus le droit au game mode. Je me suis dit ça. J'ai déjà triché une fois, à part s'il y a encore une épreuve de jump. Je préviens tout de suite. Chaque bouton nettoie une brioche. Trouvez le bon bouton correspondant à celle contaminée par le chocolat. Alors, brioche, ça me fait beaucoup rire. Comme tu m'as un peu humilié apparemment sur Across the Time, parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas sur Twitter, apparemment, Monsieur Bidoche aurait lu un SMS pendant un de ses épisodes, et moi, tout simplement, je vais balance. Chaque bouton nettoie une brioche. Pour nettoyer une brioche, il faut de l'eau. Vous êtes d'accord? Monsieur m'a traité de femme fontaine sous prétexte que mon téléphone était trempé parce que... Pardon, parce que j'avais ri alors que en même temps que je buvais à une connerie qui m'a envoyé par SMS. Donc c'est sa faute si mon téléphone ne marche plus. Enfin non, il marche encore, mais imaginons il aurait pu marcher, ça aurait été de sa faute. Maintenant, je dis, c'est toi, Brioche, la femme fontaine. Parce qu'il va falloir te nettoyer à l'intérieur de toi. Voilà, au revoir. Bref, je vais m'amuser à appuyer sur chaque bouton. Ça va être très, très, très long. C'est pour ça que je risque de faire un accéléré. Et du coup, bah, je vous dis à tout à l'heure, à part si je pars durant l'accéléré. Bravo, tu as sauvé les brioches et terminé le cauchemar de Super Brioche. Trouve le bon bouton pour revenir à la sélection. Alors attendez. Je vais récupérer ta tête et je vais le... Mon Dieu, ce que c'est horrible. Mon Dieu, brioche. Non. Bref, il faut trouver le bouton, donc on recommence, hein. Si j'en loupe un, ça va pas le faire. Voilà! On en a fini avec le cauchemar de brioche. Cassez-vous! Sauvez-vous! La tête de brioche, non mais sans déconner quoi. Si je pouvais l'empaler sur quelque chose, ça serait drôle. Bref, il n'en reste plus que
sur cette salle Xork, oui, Xork et Krogal. Donc on va y aller. Oula, attendez. Retour à la sélection de cauchemars, ok? Bienvenue dans le cauchemar de Xork et Krogal. Ah, moi je disais Krogal. Krogal, les créateurs de cette map. Les gens Kevin, Xork, la lave et la redstone. Ah! Ça va être comique ça. Uniquement si vous êtes bloqué, ok? Donc, le résumé. Ce cauchemar est assez particulier car ce n'est pas un cauchemar d'un grand youtubeur, mais c'est le cauchemar des créateurs de la map. C'est l'un des niveaux les plus difficiles de la map pour... ne pas dire le niveau le plus difficile. Il est divisé en deux parties. En deux parties, une épreuve de saut, sauf qu'au lieu de vide, c'est de la lave qui entoure les blocs. Et les blocs sont des blocs de bois en mouvement. Vous devez sauter au bon moment sur le minerai de redstone. What? Sauf qu'au lieu de vide, c'est un, et les blocs sont de blocs de bois en un. Ok. Sur les minerais de redstone, puis sur les autres morceaux de bois, pour passer à la deuxième partie de l'épreuve. Cette deuxième partie est moins trépidante que la première, il s'agit d'une énigme. Une énigme est inscrite sur le panneau. Vous devez renommer le bouton de papier, le bout de papier qui vous est donné avec la réponse de l'énigme. Checkpoint! Voilà, ça commence tout à fait bien. On va refaire. What? Mais en fait... Attendez, je vais faire un test. C'est juste pas possible. Attendez, mais c'est juste pas possible. Ah si, c'est possible. Évidemment, faut que je le réussisse quand... N'importe quoi, Sienna. N'importe quoi. Non mais oh. Bouh, en fait, il suffit que tu sautes au dernier moment, en fait, mais... Si tu sautes un millième de seconde trop tard, tu te prends un coup de lave et du coup tu meurs. Tout simplement. Non mais non. Je vais rage quitte. Je vais rage quitte. Attention la map. Je vais te rage quitte la map. Bah oui. Bah oui, tout à fait. J'ai peut-être une solution. Ah non. Ils sont pas cons, hein. J'allais dire je saute là. Mais c'est 2-3. Heureusement que j'ai dit juste avant que je n'allais plus cheater. Hein, n'est-ce pas? Bonjour le try and die, try and die, try and die. Non! Non! I will survive! Ou pas. Est-ce que je survis? Je peux pas le faire. Non, mais je saute beaucoup trop loin. Pff, voilà. Disparaît.
Ça, c'est la mort la plus con au monde. Disparaît, réapparaît. Apparaît. Je suis contre ça. C'est contre les lois de la gravité. Non, c'est pas vrai, je ne deviens pas folle. Qui vous dit ça? Hein? Voilà. Voilà ma réponse. Oui, bah oui, hein. Sinon, c'est pas drôle, vous voyez. Disparaît, réapparaît. Disparaît. Je suis en train de penser à un truc. Wouh! Non. Eh, j'aurais essayé. Je deviens folle. En fait, dans ma tête, c'est... Vas-y, prends le game mode. T'attends. Si je... Non! Alors ça, non! Je m'en fous! J'y étais! Alors. J'en ai rien à faire. No respect. Voilà! En fait, les sauts me rendent folle. Vraiment. Vraiment. Je pense que vous avez eu l'énigme... Enfin, vous avez vu à quel point ça pouvait me rendre folle. Donc, non, non et non. Alors. Alors, attends. Vaux à Siledzniegme. Quel est le nom du... personnage. Ah, ok. Quel est le nom du personnage qui a le même skin que les versions craquées? Oh, putain, comment il s'appelle le skin? C'est le skin... Bah, c'est le skin mexicain. Vaux à Silet... Nigume. What? Ça, par contre, j'ai pas compris. Vaux... Voici... Ah! Ah, voici l'énigme... Oh, putain! J'ai mal aux yeux. Voici l'énigme. Quel est le nom du personnage qui a le skin que les versions craquées? C'est les skins mexicains, non? Je vais faire un test. On va faire un test du mexicain. Pas ça, ok. Donc c'est les gens Kevin. C'est les skins Kikou. Jean Kevin. Ok, toi t'es comme ça, tu donnes 5 direct. Alors là. Bonne question. Oh, j'en ai tellement aucune idée des... Parce que t'as... Moi, j'appelle le skin mexicain. Enfin, c'est le skin de base, quoi. Donc, c'est le skin mexicain. T'as le skin mexicain que moi, j'appelle le... Ouais, le skin mexicain ou le Jean Kevin. Peut-être qu'ils veulent parler du nom... Quand vous voyez, quand vous allez sur Minecraft.net et que vous changez de skin... C'est quoi, c'est...
Je crois que c'est Steve, non? Je crois que c'est Steve comme ça. Yeah! Xork, Ed et Grugal. Alors voyons voir à quoi il ressemble. Coucou! Et comme d'habitude, n'appuyez qu'une fois tête et levier dans votre coffre du néant. Vous savez quoi? Je vais mettre toutes les têtes même dans le coffre du néant. Parce que je sais pas si ça va m'enlever les trucs dans la main. Non, c'est bon. Du coup, les têtes, je vais les laisser dans les... dans le coffre. Ah, pour le coup, je suis désolée, mais j'ai rage quitte le truc, hein. C'est les sceaux. Ça me fait vraiment rager. Vous pouvez demander à Brice et ce truc me fait rager. Je peux vraiment rage quitte une map à cause de ça. Félicitations, vous avez maintenant accès à la salle numéro 3. Et ma chaise grince, c'est pour ça que je m'étais mute juste avant. Salle suivante. Donc, qui est le premier cauchemar? Hey Pierre, ok. Et après, nous avons Siphano. Donc. Et Pierre, hop. Bienvenue dans le cauchemar d'Ey Pierre. Commencez le cauchemar. Revenir à la sélection des cauchemars. Dans ce cauchemar, Ey Pierre a perdu sa bière et ne peut donc pas finir son KTP. Par conséquent, vous devez le retrouver dans le réfrigérateur. L'épreuve est simple, une des plus simples à mon sens. Il vous suffit de monter dans la colonne d'eau à gauche, puis d'explorer de manière à trouver la bière. Ça va? Non? Je sais pas. Je sens la connerie arriver, c'est trop facile. Babybel. Ceci est un Babybel, putain. C'est des knackis. Tout à fait. Quel genre de drogue... quel genre de drogue... Quel genre de drogue... Je vais pas y arriver. De drogue prennent les créateurs de cette map. Vraiment. C'est gênant. Allez. C'est une banane. Tout à fait. Alors. Ok. Ouais, mais je vais aller voir plus haut. Donc la bière est ici, mais je veux voir plus haut. Je suis curieuse, je veux voir la map. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Fraises, cerises, bananes. C'est des yaourts? Abricots, abricots, cerises, bananes. Pas mal, pas mal. Fraises. Ah, c'est pas mal, hein? Ça, c'est une bouteille d'eau qui s'est vidée. C'est bien fait, en tout cas, je trouve. Ça doit être un gâteau. The cake is a lie. C'est une bouteille renversée, donc ça fait couler de l'eau. Merci, Captain Mobius. Oh, il y a un coffre. Ah! On n'avait pas vraiment la bière! Hey, Pierre, head, levier. D'accord. Il y a un bouton, mais attendez, je vais regarder ce qu'il y a par ici. Je veux voir le petit panneau dessus. Ouh. Joyeux Noël, ceci est une bûche de Noël. Merci les gars. J'appuie sur le bouton. Ah, je savais bien qu'il m'en restait une autre. Bravo, vous êtes... Ah, je recommence. Bravo, vous avez terminé le cauchemar des pierres. Vous pouvez redescendre à l'étage de la bière périmée pour revenir à la section de cauchemar. Ouf. Allez, on descend. Ceci est une bière périmée. Clique ici. Merde, elle est périmée. Je crois que j'en ai une autre plus haut dans le frigo. Ah, d'accord. Fallait que j'appuie sur le bouton avant. Ça donne quand même du poison, ta bière, hein? C'est pas bien. Levier, on va le poser. Boum. Ensuite, nous avons cauchemar de Siphano. Ok. Sif, tu es où? Là. Oula. Non, 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 non. Alors là, non. Laisse-moi lire d'abord. C'est bon? Je peux lire le cauchemar? Cauchemar de Siphano. Ce cauchemar est plutôt simple. Vous recevez en début d'épreuve une épée en pierre pour faire les trois premiers niveaux. Si vous mourrez, vous respawnez, mais les mobs tués avec votre
avant votre mort ne réapparaîtront pas. Cependant, les mômes restants peuvent devenir invisibles. Ah! Ça, c'était pas prévu. Il vous suffit pour valider un niveau de mettre l'un des loups dans un entonnoir. Vous serez immédiatement téléporteré vers le niveau suivant. Attendez. Et re les amis, désolé, il y a eu du bruit chez moi, donc du coup j'ai préféré faire une ellipse. Donc j'en étais où? Vous serez immédiatement téléporteré vers le niveau suivant. Ok. Une fois les trois niveaux terminés, il faut affronter le boss. Vous aurez l'occasion d'obtenir deux épées en fer, tranchant une, malédiction une. Et deux armures en côte de maille. Le boss est un roi wizard, un wizard squelette le plus grand, qui a plus de vie et qui est mieux armé. Ah ah! Sympathique. Ouh! Bonjour la voix qui déraille. Faut que je mette les loot. Donc c'est ça les loot, j'imagine. What the fuck? D'abord là, d'abord toi. Non, non, non. Vous m'avez pas vu. Meurs toi, ensuite toi meurs, ensuite toi meurs. Je vais régène un peu, hein? Parce qu'il faut pas abuser. Donc ça va être lent. C'est ça le cauchemar de Sif? Ah, pour le coup, je suis un peu déçue. Enfin, d'un côté, je le comprends parce que... Enfin, non. Parce qu'il aime bien le PVE. Enfin, ça le dérange pas, c'est pas vraiment un cauchemar. Je sais pas. Oh, pour le coup, ouais. D'un côté, oui, il fallait quand même s'attaquer à des mobs hein, pour du Minecraft. Mais je m'attendais à mieux, on va dire. Bon, après, j'ai pas vu le boss. J'en suis qu'à la salle numéro 2 et je critique déjà. Donc, bon. Allez, petite vie, remonte. Tu peux le faire. Allez, 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 allez. Allez, plus qu'un cœur. Un demi-cœur. Ta fuck! Ah, pas con, j'ai trouvé une technique. Si j'arrive à remonter sur les lianes. Minette, c'est quoi ce nom? Alors, type de boss, gros squelette, difficulté normale, difficile. Ok, tu en auras besoin. Ouh, Smite 1, Sharpness 1. C'est le même stuff, donc hop, 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 la bouffe ici. Pas de liane. Oh, ok. Ah, mais il est trop vite, il va trop vite. Ok. Tout ça pour ça? Non. Tu m'as pas vu. J'en ai rien. Maman, il y a un wizard qui va trop vite. Je m'en fous, je pose les loot. Ok, elle était pas de tout repos, hein? Siphano's head. On va poser le levier. Hop! Et le cauchemar prochain, c'est... Nous sommes déjà à 30 minutes d'épisode, enfin un peu moins peut-être.
Cauchemar de The Fantasio 974. Eh bien, allons voir The Fantasio. Bienvenue dans le cauchemar de The Fantasio. Alors, ce niveau est l'un des plus agaçants, en effet, il s'agit d'un labyrinthe, vous devez trouver le bon bouton pour sortir. Le problème étant que le labyrinthe n'est que très peu éclairé, quelques torches de redstone, mais au début de l'épreuve, vous recevez un effet de cécité qui ne fait que vous perturber dans votre quête de cécité. Ah, blindness. Trouve le bouton qui te permettra de sortir de cette... C'est stressant ce bruit. À chaque plateforme, tu as un bruit. Toujours pas. Putain, moi, les labyrinthes, c'est une grande histoire d'amour. Il n'y a pas de bouton. Je suis passée par là. Ok. Donc, attendez, on va d'abord tout à droite. Tout à droite, j'ai dit. Oh, ok. Il n'y a pas de bouton par ici. Ok. Là. Oh, ça va trop loin. Ça va trop loin, ça va trop loin. Pas un bouton par là? Non, pas de bouton. Je suis en train de me perdre. Pourquoi elle a pas fait de bruit, la plaque de pression? Wow! Ah ok. Donc là je suis ici. Ok. Donc de ce côté-là... Bah non, c'est pas possible. Parce que de ce côté-là, j'ai clean. Ce bouton, je l'ai fait. Oui, ce côté-là, je l'ai clean, donc c'est bon. Je suis descendue. Ça, c'est pas un souci. Donc, on va dire que ce côté ici, côté gauche, quand on est là, il est clean. Donc, on va faire tout ce qui est à gauche. On a un bouton ici, presque. Et ici, on a quoi? Je vais toujours à gauche cette fois. C'est un labyrinthe sans fin, je vous jure. Ah. Ah, yeah! Ça, c'est cool. Levier, The Fantasio. Bah, c'est bon. J'ai l'impression à chaque fois qu'il y a un truc qui me regarde d'ici, c'est bizarre. C'est stressant. Donc, levier, on va poser. Alors, maintenant, cauchemar d'Enster Bleacher, que je salue d'ailleurs, même s'il verra jamais cette vidéo. Il y a juste un bouton. Ok. Non, il y en a deux. Ok. Cette épreuve demande beaucoup de précision. Elle consiste à monter sur un cochon doté d'une selle au début de l'épreuve en cliquant sur un bouton. Un cochon spawnera et vous recevrez une carotte au bout d'un bâton qui vous servira à guider le cochon. Dit comme ça, ce n'est pas très difficile, mais vous devrez traverser des passages très étroits, entourés d'eau dans le meilleur des cas, ou de lave. Par conséquent, il faut beaucoup de précision pour le faire avancer le cochon à la bonne vitesse et dans la bonne direction. C'est l'une des épreuves les plus difficiles. Donc, notez bien les gens. N'allez pas balancer à Unster Bleacher que je t'ai dit ça. Le cauchemar d'Unster Bleacher, c'est des passages étroits en mode cochon. Je dis ça, je dis rien. Si votre cochon ne vous suit pas malgré... Peu. Voilà. Allez! Youhou! Tu veux pas venir? Vaillant destrier d'Unster! Putain, best destrier ever, hein? Allez! Petit cochon! Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il disait?
Si votre cochon ne vous suit pas malgré la carotte dans votre main, descendez du cochon, enlevez la carotte de votre main, remettez la carotte dans votre main et remontez sur le cochon une fois qu'il est attiré par vous. Ok. Ça va être comique. Oh, putain. C'est quoi ça? Du heal. Attends, attends, attends. Laisse-moi. Ah! Hunster! Non! On fait du cochon grillé! Hé, hey, le cochon! Regarde-moi. Voilà. Toujours pas? Si. Je veux lire ce fucking panneau. Je veux voir un truc. Ouais. Ça l'arrête. Non, mais... Ah ouais, non. Faut vraiment pas que j'enlève la carotte du stick. Ça va être comique. Donc, du coup, je vais peut-être au montage... marquer si j'arrive à lire. Le heal, c'est bon. Souviens-toi, pour t'arrêter et ne pas tomber dans la lave, sors la carotte de ta main. Ok. Va faire du cochon grillé. Non, non, non. Hunster? Non. Oh non. Et si je fais ça et que je te frappe? Peut monter. Non mais non. Banane. Bien. Oh oui. Monte. Non mais non. Non. Bah oui, tu fais du cochon grillé. T'as c'est... Hunster, t'as des rêves chelous. Enfin, des cauchemars chelous. Oui. Oh oui, tu es beau. Hey, Hunster, bouge ton cul. Voilà ce qu'on fait à des youtubeurs pas gentils. On les transforme en cochons. Et on les dirige à coups de fouet. Allez, vas-y, let's go. On recommence. Ok. Si, encore un peu. Allez. Il faut passer dans des chemins étroits avec Hunster, hein. C'est tellement crade ce que je dis, mais c'est tellement bon. Alors. Ok. Oui! Allons récupérer la tête d'Hunster. Hop! Je suis plus sur le cochon. Wouah! On va déposer la tête d'Hunster. Boum! Mais on a fini là! On n'a plus que le fameux grand rêve, attendez! Du coup, je vais récupérer les têtes parce que je sais pas s'il y aura des. Ah! Hop, hop et hop. Je sais pas s'il y aura des under chests. Hunster avec les cheveux longs. C'est très spécial. D'ailleurs, on va faire toute la tête comme ça. Boum. Ouh. Hey, salut. En attendant, ce qui me fait bien rire,
T'as l'impression en fait que les cheveux, c'est la continuité. Et ça, c'est drôle. Imaginez Hunster avec des cheveux longs. Mais vraiment longs. Hey, salut. Je suis un beau gosse. Bref, arrêtons la siphonneau. Oh, hey. On va faire les têtes comme ça, vite fait. Ça fait très bizarre sur un corps de femme, hein. C'est tous des hommes sur un corps de... Ah! Non! On ne mélange pas. Sur un corps de femme, c'est très, très spécifique. Alors, brioche. Brioche. Comment te dire? Cette tête est malsaine. Il te regarde, il te fixe, genre, hey, je vais te manger. Je vais manger ton biscuit. Attention. Bref, je pète un plomb, il nous met Gus, Frigiel, Zéphyr, Zelvac. Pourquoi on n'a plus le... Ah oui, d'accord. Et Gus. Voilà. Ah non, il manque Bill. J'ai oublié Bill. Donc voilà, je remets mon stuff et on y go. Parce qu'on sait pas vraiment si c'est vraiment, vraiment, vraiment un rêve. Salle suivante, salle suivante. Bienvenue à Miami Beach. Enfin non, Miami Beach. Comme dirait une certaine de mes amies. Panneau inutile. Merci. Alors, pensez à lire les panneaux derrière. Map fait par deux débutants dans la construction de Map Xork. Minecraft, n'hésitez pas à vous à nous faire parvenir vos avis sur la map en nous ajoutant sur Skype. Ouh. Donc si vous voulez leur Skype pour leur dire hey, c'était bien, bah allez voilà. Merci d'avoir joué, Krogal et Xork. Il y a pas d'autres panneaux par ici? Pourquoi il y a un trou? Ça doit être un bug de lumière, ça. Ouais. Bug de lumière. Oh, mais c'est de la pastèque, c'est rigolo. Bienvenue dans la citadelle du rêve. Tu as terminé la map et as donc accès au niveau bonus. Pense à lire les panneaux à l'opposé avant d'appuyer le rêve de Bob Lennon. Le pyro-barbare? Oh! Me dites pas que c'est un truc genre on va tout faire péter. Bienvenue dans le rêve du pyro-barbare. Maintenant que tu peux voler tel un dieu, tu vas pouvoir prendre un malin plaisir à tout faire péter ou simplement visiter et admirer les systèmes en redstone si tu as l'esprit plus pacifique. Ah ah! Oh, on est sur la map carrément, ça c'est drôle. Vous avez un peu fail le logo, non? Ou alors faut peut-être le prendre dans ce sens plutôt. Ouais. Ouais, d'accord. Et c'est pas ces couleurs-là! Donc là, nous avons la salle d'Unster. Là, c'est quoi? Ah, ça doit être les circuits en redstone pour la salle de... Mon Dieu, ce cochon-là. Cours et regarde sous les pieds. Ta fac? What? Cours et regarde sous les pieds. Pourquoi? J'ai pas tout compris, hein, trop compris, hein. Et regarde sous les pieds, mais j'ai pas... Ah, d'accord, oui! Vous voyez les particules changer de couleur. Oh, c'est rigolo! Oh, franchement, pour le coup, c'est bien fait. Mais, qui dit ça, dit... Oh! C'est qu'on nous donne... De quoi tout faire péter. Et comme c'est de la laine ici, il suffit juste de faire vite, moi je veux m'amuser. Bref, nous allons regarder un peu partout ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est la celui de Siphano. Ça, c'est du bois. Ça, c'est le rêve de Frigiel, non? Enfin, le cauchemar de Frigiel, pardon. Oh! Joue pas au malin avec moi. Ça, c'est la salle du début de Frigiel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est la pépite de chocolat, ça!
Non? Je pense que c'est ça, hein. T'as tous les systèmes en redstone. Je crois que c'est la... Ah, ça, c'est le frigo. Ah, c'est bien fait comme ça, enfin, vu d'ici. Genre, ça fait vraiment frigo. C'est rigolo. Bref, en tout cas, j'espère que la petite série en mode YOLO vous aura plu. N'hésitez pas à aller à la faire avec vous. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. 3, 2... Ah, salle 3, 2, 1... Je veux trouver la salle de brioche. Je veux pouvoir la brûler, la faire péter, tout ce que vous voulez. Ça, c'est Hunter, Bill... Je crois que c'est le truc, là, hein. Mais on était dans l'air, donc je sais pas, attendez. Je vais regarder. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ça, c'est le Miam Miam. Enfin, Porto. Ça, c'est quoi? Dans le cauchemar de Shorty. Ceci est un niveau qui a été supprimé car trop difficile. Vous pouvez quand même l'essayer. On est en game mode, donc bon. Bienvenue dans le cauchemar de Shorty, tué dans un KTP par un silverfish venu d'une pierre infestée. Si seulement il avait remarqué que la pierre infestée prenait plus de temps à casser. Ah, d'accord, et je pense qu'il y a genre un... des silverfish là-dessus et faut s'enfuir. D'accord, je vois le genre. Je vois le genre. En tout cas, c'est hyper bien fait, je trouve. Les maps, elles sont vraiment bien faites. J'aime beaucoup. Ça, c'est le... Là, je vais vraiment y aller à la TNT, carrément, hein. J'ai l'impression qu'il va... Si, il y a des trucs en dessous. Je suis désolée, les créateurs, mais votre map à vous m'a fait rager. Vraiment. Donc, boum. Non respect, quoi! Pour la peine. Genre, ça l'allume pas. Ah, mais... c'est malin, ça. Malin, c'est beaucoup mieux. Et j'ai toujours pas trouvé le niveau de brioche. Attendez, qu'est-ce que c'est? The fuck? Ah si, c'est la boule où on arrive à la fin, ok. Je veux... Ça c'est le village à... Non, même pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est la maison de départ, ça. Ouais. Oh. Pourquoi il y a de l'enchante? Magie, magie. Book and Quill. Alors attendez, on va peut-être commencer par la gauche, ça serait pas mal. Quoi de tant de cochons? Alors attendez, c'est quoi ce truc? Allez au dernier modifié. Panneau 1, panneau 2. Merci. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Redstone. C'est pas pour... thème rare. Ce serait pas pour créer son propre... Le feu se propage, les mobs drop des items, les mobs spawn les items. The fuck? Ouvert, oui. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais en fait, on a l'impression que c'est aller haut. What? T'as l'impression que c'est pour créer ton propre circuit, enfin. Attendez. Casse la glowstone derrière et saute. Attendez. Ah, je pense que c'est surtout pour quelqu'un qui a eu un bug de...
Ceci est une esquisse de dé. Je veux le circuit de Brie. Merde! Je veux le faire décapiter. Mais au final, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, les gens. J'espère en tout cas que la petite série vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à ajouter les créateurs sur Skype pour leur dire qu'ils ont fait du bon travail ou du mauvais. Hein, c'est à vous de le dire. Hein. Ça, c'est le début, oui. Mais en tout cas, j'espère que donc cette petite série vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Juste, si vous avez des petites séries dans ce genre à me proposer, je suis partante. Ah, j'ai trouvé le niveau de bruit. Je suis partante. C'est toujours un petit plaisir de faire ce genre de... Genre Ouais, c'est toujours un plaisir de faire ce genre de petite map sympathique en solo ou... Même si vous avez des idées à faire en duo, en trio. On est toujours à la recherche de maps Minecraft. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc on se dit au revoir tout le monde sur cette belle explosion du niveau de Super Bidoche. Plus aucun bouton. Nah! Bref, ciao!